Pour tous les efforts qu'il a fait qu'on arrive à là. Il sache que c'est mon neveu, que je le soutiens. Voilà. Merci. Entre un neveu et un ami, le choix est clair. Voilà. Parce que hier, c'était à titre d'intention. Quand le président de la République s'est prononcé en disant j'ai ordonné et que Néman Dansemi devait rentrer chez lui. Et qu'aujourd'hui, ceci est effectif. Donc nous devons en être reconnaissants. C'est vrai que c'est une démarche longue haleine depuis plus ou moins 3 mois qui a été soutenue par les uns les autres, pour lesquels nous les remercions tous. Mais est-il que le président de la République a entendu notre voix? Nous sommes très contents, comme vous venez de le voir, le président de la République s'est investi pour faire tout à ce qui pouvait être fait pour que cet homme vraiment soit sauvé. Et comme aujourd'hui, avec l'ordre du chef de l'État, la maison est réhabilitée et toutes les conditions nécessaires pour vivre chez lui sont réunies. Voilà pourquoi nous sommes venus le prendre, pour dire qu'on remercie beaucoup le chef de l'État, on remercie tous ceux qui ont soutenu Néman Dansemi pendant ces dures épreuves, on remercie énormément les corps médicaux ici, je suis impressionné l'amour qu'ils ont envers lui et on les remercie beaucoup, beaucoup, les médecins directeurs et tous ces services, de la manière dont ils se sont investis. On remercie aussi les unités de la police nationale qui se sont investis jour et nuit pour protéger ces grands hommes. En tout cas, nous les remercions beaucoup. Nous remercions tout le monde de loin ou de près qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, tous ces remerciements, comme je l'ai dit, va tout droit à l'endroit du chef de l'État qui a lui-même veillé de très près sur la conduite de tout ce qui s'est passé ici à l'hôpital et à sa maison. Donc voilà, à ce stade, ce qu'on peut vous dire.
il est fatigué, on doit le ramener chez lui, sa famille a besoin de lui. Diamboka, na maso ya sali, pote ne mwana semi, à côté d'un hôpital, à mobiliser ma médecin, nyon so pote, ba sala nyon so ba traité, de l'autre yé kozoye, parce que moko Diamboka, a bongi si oyo nyon si il fallait que bonga, na kati ya andako na ye, pote ton memaye, to tika ye na andako na ye, na ba condition ya malam. De remercier médecin directeur et hôpital ou et la clinique universitaire. Na maso ya sali pour na ne mwana semina équipe na yi. De remercier ba infirmière nyonso corps médical nyonso soko tali amour bazana ngwe pa ya ne mwana semi gamoko na za rempli de joie pour na komona comment baza ko battre la papa wana ozomona ke azana sepati ya bato nyonso. De remercier police nationale oyo babandaki kolala awa jour et nuit pour te ba protéger ye. Pour on ne sait jamais. To remercier bato nyonso oyo bazalaki de loin ou de près na mbutamuto oyo ne mwana semi lelo metindo ya mokonja mboke koyaki du fait que rapport médical na ye eye et que loko ya mabe za lisusu te yango nde bomoni to ye poto zoye po akende na ndako na ye. Na kati ya ndako, ma sese salami, oye kokaki na dignité na ye. Voilà, lelo na bino ba journaliste, to remercie bino mingi, parce que vous contribuez ki quand même, po na évolution, ya kimia na kati ya mboka. Alors, na ba komba, ba tunaye, ba mikengi, ba nini, ba ye ba kembalo oyo, il faut apema. Il faut apema nanu, pas amoutu. Ba ko batte la yena ba policier pote a retrouvé na nou vina epe ya libota avaya kokota na makambo na ye ya lingomba na misala ama te chika chome akende je remercie beaucoup le président Tshisekedi pour tous les efforts qu'il a fait pour qu'on arrive à là. Il sache que c'est mon neveu, que je le soutiens. Voilà. Merci. Entre un neveu et un ami, le choix est clair. Voilà. Je le soutiens, qu'il me soutienne et il verra que ça marchera bien. Merci. Parce que le saboter, c'est saboter mon neveu. Et je serai condamné par les ancêtres. Merci. C'est mon neveu. Merci. Qu'on se tienne la main avec lui. Qu'on aille de l'avant et tout ira bien. Merci beaucoup. Et tous ceux qui ont travaillé pour que notre président national, Nemoine Dantsemi, puisse se retrouver chez lui à la maison. Parce que hier, c'était à titre d'intention. Quand le président de la République s'est prononcé en disant j'ai ordonné et que Nemoine Dantsemi devait rentrer chez lui et qu'aujourd'hui ceci est effectif. Donc nous devons en être reconnaissants. C'est vrai que c'est une démarche de longue haleine depuis plus ou moins 3 mois qui a été soutenue par les uns les autres pour lesquels nous les remercions tous. Mais est-il que le président de la République a entendu notre voix, qu'il sache que Nemoine Dantsemi et son oncle, et qu'à partir d'aujourd'hui, un nouvel air a sonné. Il avait déclaré l'autre fois que si Yamantela Kaïsa Ndukangako. Un pays dont la population est constamment inquiète ne se développe pas. C'est pourquoi il veut travailler avec tout le monde. Étant donné que le président Félix est son neveu, je pense qu'il est moment
il ait l'air de collaborer avec lui pour que son expertise politico-religieuse apporte du fruit dans notre pays. J'ai dit, je passe la parole au secrétaire général. Je suis M. Wampuna, le vice-président du parti politique Wundiamayala, chargé des questions politiques. Dans une situation difficile, ça nous devons le reconnaître. Sur tous les plans, alors, que ce soit pour le plan logistique, il faut que ce soit sur le plan des fonds même pour encadrer cette situation. Donc sans vous, nous ne nous en sortirons pas. Mais je pense que nous resterons reconnaissants envers vous. Comme vous l'avez toujours témoigné, qu'il est votre frère, qu'il est votre type, ça c'est votre terme, continuez à les soutenir, parce que vous avez déjà fait preuve. Donc vraiment merci. Sois le bienvenu dans notre famille. Merci. Car, là il est déjà. Oui, ça va couiller. Kakamas. Moutala Nakwanda. Makesa. Nkango. Yeke yeke. Moukoumou na voyen di baba. Atonou ma mingi. Kwakoulou. Kabisini, mingi na kongo. Atakwantou mouan na kongo. Attaquez la moto. Voiture. La voiture n'y va. Ça va déjà rien. Vous avez un peu de temps.